Je pense que le générique va encore planter parce qu'on lance, on va trop loin encore. 42 ans de sub pour Benzaï, incroyable. Salut YouTube, et bonjour madame. Allez, le retour de Indéfiniment, ça faisait longtemps, il est 2h du matin, donc je suis épuisé. On a mis pause à notre partie de FTL, les conditions ne sont pas idéales, madame. Mais ça y est, le jeu est là. Écoutez, est-ce qu'il a mis à jour là? Parce que s'il me relance la bêta, j'ai un con. Mise à jour en attente. Mais comment ça en attente? Hein? Non mais il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de fatigue qui soit. Ah, préparation du lancement de Cooksta Delicious 2. La boule magique. Démarrer à 1h13. Parce que en fait, le mec, le développeur m'a donné, si vous voulez, pour qu'on joue avec Xerator, une bêta, une clé bêta de PAX West. Mais il m'a dit, quand le jeu sort, TKT, TMTC, tout se mettra à jour. Alors je vais relancer Steam, et là je suis sûr que YouTube est très content, madame, de vivre cette attente avec nous. Vous avez un peu de sucre, si vous voulez. Alors, attendez. Je pense que c'est évident. Mise à jour en attente. C'est là, évidemment, il ne tient qu'à moi de ne pas m'énerver. Préparation du lancement de Cooksta Delicious 2. Attendez, vous. You may not stream or share any part of this beta. Ah, ça y est! Je crois qu'il le télécharge. Oui! Oui, incroyable, mais vrai. Nous allons jouer dans 8 secondes au jeu. Madame, bienvenue au coteau. Générique. Streamer fini à la pile, comme un let's player de 15 ans qui stream sa première partie de League of Legends. Je me sens comme un quarantenaire sous coke qui joue devant son fond vert. Et en plus, à des jeux pas très chers où t'as pas besoin de vendre ta mère, comme Call of Star FIFA. Je me sens définitivement un streamer à la piste. Indéfinitivement un streamer à la piste. Je me sens comme un demi-atomium auquel on aurait cruellement interdit la life plein millénium. Je me sens comme Julien le journaliste qui vit sans envie car le client lui dit il faut qu'on en vende. Oh, excuse-nous, Julien. Je me sens indéfinitivement un streamer à la piste. Indéfinitivement un streamer à la piste. Cette outro toujours aussi trop longue. Julien le youtubeur. Oui. Oui, on s'excuse évidemment auprès de Julien car cette chanson est diffamante. Julien n'est plus journaliste, Julien est youtubeur. Incroyable. Alors, allons-y et tentons. Tentons de jouer au jeu calmement. Oh, j'ai l'impression que ça marche, j'ai l'impression que ça fonctionne. Sauf que je ne peux pas bouger la fenêtre. Delicious. Ah,
Incroyable. Je baisse le son. Ah, pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas bouger la fenêtre du jeu, ça m'angoisse. La fenêtre est au milieu, mais je ne peux pas la bouger. Peut-être en faisant clic droit sur Windows. Suivez-moi pas. Attendez, ah non, je ne peux pas la déplacer. Le jeu est au milieu et je ne peux rien y faire. Pourtant, il est en fenêtré. Ça m'angoisse au plus haut point. Ce n'est pas grave. Je vais mettre le chat à côté, donc. La souris ne marche pas dans le menu, mais ça, c'était déjà le cas dans... dans la bêta. Ok. Ok, ok, je me mets en place. Désolé, pas de cosplay. Le jeu n'est pas totalement fini. Ben, on va faire avec ce qu'on a. Est-ce que vous m'entendez? Merci Filigno et Mr. Zeden. Allez, on va jouer comme ça. Cam APM. Oh putain, mais vous. Pas de talk avec Cam. Mais vous inquiétez pas, ce sera pour les prochaines parties. Là, on est juste dans la découverte. Bordel de merde. Calmez-vous. Sinon, on rejoue à FTL. Voilà, je fais ça. Je quitte. Alors, bon. Ça, coup de game. Alors, l'autre game. Mais non, mais je peux pas charger le jeu. Ah, merci. Local ou cloud? Alors, pour l'instant, local, donc. Allez, c'est parti. Ah putain, mais la police est mal lissée. Alors, bienvenue. C'est la version 1.0 de Cook Servatius 2. Ça va être le meilleur jeu ever. Malheureusement, à cause de 3 bugs critiques trouvés dans les derniers jours, oui, j'ai un peu repoussé quelques features pour respecter la date de lancement. Ceci inclut donc le support de la souris pour le menu et quelques éléments des menus. D'accord. Bon, bref, il y a quelque chose qu'on ne verra pas, mais le jeu a l'air de fonctionner dans les grandes lignes. Campagne. Player option. Single player. On peut choisir notre chef. Ah oui, regardez en haut. Incroyable. Oh, il n'y a pas grand monde. Ah si, j'ai rien dit. Il y a du peuple. Humbly Bubble. Voilà, Gaston. Gaston le chef, quoi. Bon, je vais prendre mon chef asiatique, évidemment. Je représente. Ok. Food catalogue. Alors là, c'est l'enfer. On peut voir tout. On peut voir les entrées, les side dishes, les drinks. Mais il y a plein de choses qui sont verrouillées. Regardez. Regardez tout ce qu'il y a. Très bien. Il y a aussi les choses qu'on peut préparer. Bon, tower. Donc, si on joue sur mode cook serve delicious comme dans le premier, on joue en mode infini. Bien entendu, et on va devoir grimper les échelons. On voit que tout pour l'instant, tous les autres restaurants sont bloqués, mais les autres restaurants, a priori, d'après ce qu'on avait compris de la démo PAX West, ce sont plus des campagnes, des challenges. Par exemple, là, ici, je ne sais pas pourquoi, challenge 1, les max winners. Donc les winners, c'est les saucisses. Qu'est-ce qu'on se fait? Des hot dogs à l'infini? On peut peut-être tenter ça. Ah, un restaurant de Clodo. Voilà, alors fondé en 2010 par Nathan Gill et Max Winners, d'accord, c'est du gras, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ici? Et on a débloqué, les autres sont bloqués, on peut juste faire le standard shift avec la saucisse, la saucisse panée, le bretzel, le hot dog, des trucs dégueulasses, des onion rings, des bites et du soda. Magique. Ah, des corn dogs, oui. Bon, on tente ça pour voir ce qui se passe. Allez, qu'est-ce que je dois faire ici à Max Winners? Ah, voilà. Médaille. Ah, d'accord. Donc, compléter la journée avec moins de 8 mauvaises commandes. Compléter la journée avec moins de 5 moyennes ou mauvaises commandes. Et pour la médaille d'or, compléter... faire un perfect day. Je vais pas m'énerver. Alors, on commence... toujours la journée, hein, on l'avait vu ça.
Avec les nouvelles nouveautés, en haut, nous avons les stations de préparation, en plus des 6 stations de commande sur la gauche. C'est-à-dire donc qu'on va pouvoir préparer de la nourriture afin de la donner directement en caisse plutôt que La d'avoir à la boule refaire. magique. Superbe déco, hein, by the way. Il est 6h50, donc je fais tab 1. Et là, donc, par exemple, on va faire des corn dogs bretzel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, donc je choisis corn dog ou bretzel. Donc, on va préparer des corn dogs à. Et donc, là, j'ai juste à mettre le corn dog et elle à fermer. Et entrée, je confirme. Donc, si je veux, pendant que j'ai le temps, je fais tab 2 et on va préparer aussi des bretzel sur B. Donc, qu'est-ce que je fais? Classique bretzel. Hop. Et on envoie. Et ça va se faire tout seul. J'ai pas à le fliquer, figurez-vous. Donc, là, 1. Il faut que j'attende que ce soit dispo. Voilà. Et là, c'est dispo. Pas de ketchup ou de moutarde. Donc, il le veut juste comme ça. Eh bien, prends-le. Deuxième. Pas de ketchup ou de moutarde. D'accord. Donc, ça a l'air d'être assez le succès. Donc, on va refaire tab 3 et refaire des corn dogs au cas où. Donc, je mets le corn dog et je ferme. Entrée. Ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut une saucisse. Saucisse. Juste une saucisse? Très bien. Deux. Une saucisse. Trois. Il faut faire les cabinets. Je tire la chasse et je me lave les mains, bien sûr. Et fini. Toujours confirmé par entrée. Ketchup et moutarde. Ketchup et moutarde. C'est cuit. Envoyez. Oh, merde, 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 merde. Quoi? Pretzel bun. Z. Ensuite, espace. Oignon. N. Mais pourquoi rien n'a de sens? Mustarde et ketchup. Et le problème, c'est que le deuxième, il est presque brûlé. Regular bun. Cheese. C. Chili H. C'est bon? C'est bon. 3, c'est bon. 4. Je mets ma saucisse. C'est chiant, là, l'histoire de la saucisse. Premier. Du queso en cul. S-Sour Cream. Rush alert. Rush alert. Jalapenos. Ok, 2. Les cabinets. 4, c'est bon. 4, c'est cuit. C'est cuit. Qu'est-ce qu'il veut? Quoi? Premium bun. Avec la total cheese, relish. Il veut tout, non? Chili, hash. Il veut de la moutarde ou pas? Oui. Moutarde, ketchup. Il voulait tout. Il voulait tout, petit bâtard. C'est le rush hour. 1. Queso, sour cream, jalapenos et tout, à la totale. B, air beans, 2, c'est prêt. 3, on met les saucisses. 4, c'est bon. 5, de la moutarde. 6, c'est prêt. Faut que je refasse des bretzels. Tab 4. Hein, non, shift 4. Putain, j'ai fait de la merde. Si, c'est bon. Bretzel, j'ai dit. Vite, mais German bretzel, d'accord. 2, c'est bon. Merde, merde. Regular bun, space. Cheese, relish, ketchup. 3, vite. Bretzel bun, Z. Du relish et en R, ok, 1. Ah, c'est bon, de la moutarde. 5, c'est en train de partir, 5. Ah oui, d'accord. Et piégeara. Piégeara, c'est bon. 1. Ketchup et moutarde. 2. On met la saucisse. 3. On met la saucisse. 4. D'accord, il veut juste. D'accord. Il voulait juste de la glace pour sa boisson. 5. 5. Ketchup et moutarde. Est-ce que j'ai encore des winners? Je sais pas. 2. Pretzel bun, c'est Z. Moutarde, c'est M. 3. Premium bun CP, cheese C. Ok, 4. C'est bon. 1, on envoie la saucisse. 5, on envoie la saucisse. 6, c'est prêt. 2, ouvrir, ice, fermé. C'est bon. 3, c'est quoi? C'est les poubelles? Non, c'est le piégeara. C'est prêt ici. Premium bun, c'est tout. On envoie la saucisse. C'est cuit en 5. Regular bun avec cheese, chili, moutarde, oignon, N. 1, j'envoie la saucisse. Faut que j'en fasse des trucs. Tab 1. Tab 1, je vais faire des corn dogs. C, fermé. 2, c'est prêt. Regular bun, c'est R. Oui. Cheese, chili, H. 1, c'est prêt. Regular bun, R. Cheese, relish et moutarde. D'accord. 3, c'est prêt. Ketchup. 4, les chiottes. F, S. 5. Merde, 5. Oui. Oh putain, c'est chiant ça. Hop, hop. On attend, que ce soit prêt. On relâche, on vide, on se lave les mains. Go, 6, les rats. Non, c'est quoi? C, ok, 2, 2, c'est 2, c'est les rats. L, C, sanitize, go. 1, queso, crème, des haricots, des faillots. 3, queso, jalapenos, beans, B. 2, O, I, S, c'est bon. Les cabinets, F, et se laver les mains. 1, trash, on bourre et on se lave les mains. Go, 2, c'est prêt, ketchup. Ok, shift, j'ai plus de bretzel, shift 2, fais des bretzel. Non, tab 2, putain, tab 2, bretzel, B,
Classique, Wazel, go. Ok. Queso, jalapenos, beans, c'est bon. 2. La saucisse. 3. La saucisse. 4. Queso, sour cream, jalapenos, beans, c'est bon. 5. Queso, jalapenos, beans, c'est bon. 6. Queso, cream, cream, CS. Jalapenos, oui, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? 2, c'est prêt. Regular bun, c'est R. Cheese, chili, oignon, moutarde. Oui, c'est bon. 3. Regular, cheese. Ah, il faut que je change quand même, putain, les bâtards. Relish, moutarde. C'est bon. 1. C'est prêt. Rien. 2. Ketchup. Je vais pas m'énerver. 3. O, I, S. C'est bon. 4. Queso. S, sour cream, jalapenos, beans. C'est bon. 5. 5, c'est quoi? C'est bon. 6. Queso, sour cream, jalapenos. D'accord. 1. Queso, sour cream, jalapenos. 2. Queso, sour cream, beans. 3. C'est avec moutarde. 4. C'est prêt. 1. C'est prêt. 2. O, I, S. On ferme. Entrée. 3. Les cabinets. F, S. 5. Queso, sour cream, jalapenos, beans. 6. La saucisse. 1. Queso, crème, jalapenos. Et c'est bon. Après, c'est... Tiens, je croyais que c'était fini. C'est juste la fin du rush hour. Ok, 6. Premium bun, P, oignon, N, moutarde, ketchup. 1. T, S. 2. Queso, sour cream, jalapenos. Magique. Les cabinets. C'est la fin de journée, c'est plus calme. ketchup moutarde. Ah, il me reste plus de... Si, il me reste encore un winner. Il me reste un winner et un bretzel. Mais ça se termine dans quelques secondes. C'est fini. Queso, sour cream, jalapenos. Première journée, elle est parfaite. Queso, si vous voulez. Ok. Et donc, il faut le refaire. Et qu'est-ce qui se passe si je récupère plein de trucs? Item unlock, level up. Le comptoir de bar. Ah, je vais pouvoir pimper mes restos. J'ai débloqué un type de parquet. Une table de restaurant. Et encore un comptoir. Les chicken nuggets. Nous avons atteint le niveau 1 de Miam. Des nouveaux chefs. Des nouveaux niveaux de chef à recruter sont apparus, donc les restaurants justement différents. Voilà, il y a Itis, le Wendy's entre guillemets de Cook's Air Delicious qui vient d'être débloqué. Unbelievable. Bon, on va peut-être regarder un petit peu à quoi ressemble le jeu. C'est des queso. Ok, ma bite. Merci Purple Sea, Enemusson et Pim Sinoupou. Et Okande, et Mr. Zen, ou MRRZ, MRRZN plutôt, et Fininho. Alors, c'est quoi donc? Donc le nouveau jour là. Mais attends, mais je peux commencer un nouveau jour sans choisir, faut que je choisisse quand même. Pour l'instant j'ai Bretzel, on a vu que Bretzel c'est plutôt sympa. Hein, et j'ai les nuggets maintenant. Oh putain, oh, ce restaurant du gras. Prends le steak. Écoutez, bretzel, steak et nuggets. Vous prendrez bien nos mac and cheese en plus si vous n'avez pas eu assez de gras. Et pour terminer, je vous conseille vraiment ce petit, notre petite fontaine de soda. Ah oui, c'est la fontaine à soda, c'est pour ça qu'à la limite, on a juste à leur donner la glace. Je peux pas avoir le buzz. Le buzz est à 20%. Allons-y. C'est mon restaurant. Ah oui, mais attendez, pour l'instant, on peut rien éditer. J'ai pas pu éditer le... Justement, profiter du fait que j'avais débloqué des éléments de décor pour pimper un peu mon restaurant. C'est le flunch. Daily. Alors,
L'objectif du jour, c'est de faire combo 5, de faire des jours parfaits et de faire 5 commandes délicieuses en un seul jour. Alors, comment on fait une commande délicieuse ? Plus, c'est plus que parfait ? Milestone, donc les objectifs à long terme. Servir 500 boissons, servir 500 entrées, enfin 500... Non, 500 accompagnements. Et servir 1000 clients sur tous les modes. J'en ai déjà servi 100. Est-il. Performance, faire 750 commandes parfaites et 750 commandes délicieuses. Ok. Allez, donc, qu'est-ce qu'on peut préparer ? Les bretzels et les nuggets. Et les macaronis. Ah merde ! Donc, si je veux tout bien faire, faut tout préparer à l'avance. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est A. Quoi qu'il arrive, faut juste faire space avant, mais c'est A. Donc, ok. German bretzel. Ok, et on envoie. Tape 2. On va faire des nuggets. Nuggets, j'en mets 4. Et hop, dans l'huile. Tape 3, on va faire les macaronis. Ça se prépare comment ? Macaronis. Et hop, on envoie. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à surveiller la cuisson. Oui, du beurre. Beurre et le steak. 2. Nuggets. Ah, et vu qu'ils sont pas encore prêts, là, je les fais un par un, vous voyez, c'est casse-couille. Alors que quand ils vont être prêts, voilà, je peux les servir directement. Tape 4. Je vais refaire des nuggets. À mon avis, ça va être beaucoup demandé. Donc, paf, nuggets, nuggets. Le steak. Il veut son steak et du medium gravy ou du mild gravy. De la bonne sauce dégueulasse. Allez, ils sont déjà en train de pourrir mes cabinets. Avec tout ce gras. Eh oui, les nuggets sont prêts. On s'emmerde. Hein. Easy. Oh, regarde, il y a une meuf qui a l'air de sortir d'une sale nuit. Un rail de coke, un café. C'est un peu le restaurant junkie. C'est vrai que c'est... Enfin bon, c'est mon resto, mais j'y mangerai pas. Alors vite, on va faire des mac and cheese. Ah, décidément, les cabinets sont fort exploités. Alors, shower, c'est maintenant. Oh, tout le monde a envie de gras, là. On a bien fait de préparer un petit peu des choses au préalable. Ah merde, on a plus de bretzel, faut que je prépare des bretzel. Ok, tab 1, bretzel. A. German, go. 2. J'ai le 6 qui disparaît là. 6. Throw. Sanitize. Ok. 5, c'est prêt, les nuggets. Oh là là. 6. 6. Hop, et le steak. 4, c'est cuit. Steak et onion gravy. 1, c'est bon, les bretzels sont arrivés. 5, on envoie un steak encore. Des bretzels. Putain, faut que je refasse des bretzels. 2. Steak. Medium gravy. Mild, je ne sais pas, ou moutarde, j'en sais rien. Eye, open, eye, seal. Voilà, on met de la glace dans le verre. Il y a pas de bretzel, ils arrivent les bretzel, bordel de bite. Hop, sauce à l'oignon, paf. C'est bon. Flush, sanitize, 5. Steak, gravy, 4. Hop, oui, on remet de la glace dans la machine, dans la fontaine à soda. Oh, ça c'est long. Allez, c'est l'heure des tâches ménagères. Hop, ok, faut en faire des trucs, hein. On va refaire des bretzel. Des classiques, cette fois-ci, semble-t-il. Ah oui, merde, y'en a pas, donc hop. On va en refaire. Sinon, ça va être chiant. Merde, nuggets. Donc, je suis obligé de lui faire. Je suis obligé de faire la 2 en manuel. Les bretzels sont prêts. Trash. C'est bon, 5, c'est quoi ? Ah, c'est les pestes qu'elle en fait. Ok. Allez, le beurre, le steak. Pourquoi le beurre est en U, on ne saura jamais. Shift, tab 1. Putain, je m'y ferai jamais au tab. Hein. On va mettre des macaronis, on sait jamais.
Pas l'impression qu'on nous en demande souvent. Rush Hour, ça arrive. Rush and Test. Tap 4. Fais des nuggets. Ah, quoi que je suis con parce que... merde. C'est surtout les... c'est surtout les bretzels qui ont l'air d'être... 4, c'est prêt. 5. Crash. Allez, on bourre. On bourre. Hop. On remet de la glace. Dans la machine à glace, bien sûr. 5, on envoie le steak. On envoie le steak en 6 également. 3 et 4, c'est bon. Il reste plus que 2 bretzels. 3. Hop, steak. 1. Steak et gravy normal. 4, c'est bon. 2. Steak et medium gravy. 1, 4. Ok, faut que je refasse des bretzels. Ah, classique. 2. 5, c'est prêt. Steak, gravy. 6. Steak, oignon. 1, 4. C'est bon. 2, on envoie le steak. 3, c'est prêt. Steak, gravy. On envoie le 6. 5. Ça. Voilà, on a plus de bretzels. Qu'est-ce que c'est ça? 6. 4. 1. 3. Hop, on envoie le steak. 6, c'est bon. Il y a des bretzels encore. On remet de la glace. 4. Des cabinets. Je refais des nuggets. Hop. Hop, le steak. On envoie 2. Steak, gravy, M. Les rats. Cheese, sanitaire. C'est bon. 5. Steak, oignon. Des bretzels. Il me faut des bretzels. 3. Steak, oignon. Tape 3. Bretzel. Classique, go. 2. On envoie le steak, 3 c'est bon. Hop, steak M. 3, poubelle, trash, mash, sanitize, 4, les cabinets. On peut refaire des mac and cheese. Parce qu'en fait les mac and cheese, les gens les mangent sans commander, c'est pour les faire patienter en fait. Tenez, bande de connards, bouffez des pâtes pour patienter. Ah oui, alors est-ce que... là, on gâche de la nourriture, entre guillemets, on termine avec des choses en cuisine. Je ne sais pas. On a beaucoup de choses en haut, là. Ça a l'air de le faire. On a gagné 483 balles, dont 72 pour boire. 13% de buzz. C'est un perfect day. Les pattes partent tout seuls. Oui, c'est des bonus. Okay. J'ai fait 63 combos, donc j'ai gagné un truc ridicule à mettre au mur. Ainsi qu'une superbe lampe murale. Une plante dégueulasse. Une poubelle moche. Une moquette horrible. Un tableau anxiogène. Yum level 2. On a encore débloqué un nouvel endroit, un nouveau resto en plus. Si on le désire. Le chili bar, le spécialisé dans les glaces. Ah oui, d'accord, donc là on est en infini, on doit gagner de niveau, c'est intriguant. Bon, allez, on se fait un petit chili bowl. Qu'est-ce qui se passe? En 2009 par Kathleen Atkinson, incroyable. Elle a commencé avec modestement dans les îles Caïmans. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une coupe de glace, un espèce de gâteau. C'est pas un cheesecake, je sais pas ce que c'est. Et le soda, la fontaine à soda. Mais c'est presque tout simple. Voyons voir. Ah d'accord, ça voilà. Les rewards, c'est peu importe. C'est surtout les restaurants. Très bien. Oh, quel enfer ce resto. Donc, qu'est-ce qu'on peut préparer? Les deux? Non. Voilà, on peut préparer que... Cool, ça. C'est une part de tarte. Alors, de la crust. De la viande. C'est une tarte à la viande. Elle est où la mince meat? Oh merde, oh là là!
Oh, il y a 40 milliards de... Ah ! Il y a 40 milliards de manières de faire le... Oui, alors du cookie, bien sûr, du cookie, connard. Ensuite, du sirop de fraises avec des fraises et de la crème fouettée. On va refaire. Okay, crust et key lime, une key lime pie. C'est bon la key lime pie, hein, au citron. Allez, hop. Allez, go. Ok, un sorbet à la bite. Sorbet à la bite avec du sirop de fraise et des noisettes. Ah, déjà des gens qui pourrissent mes cabinets. Ouais, les key lime pie sont presque prêtes. Oui, c'est bon. Ok, vanille avec du sirop de chocolat, avec des fraises et de la crème. De la chantilly. Non mais prenez ma key lime pie, elle est excellente, je vous le jure. Rush hour. Non, rush hour dans une heure. Ah oui. Oh là là, oh là là, vite, 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 putain, ça c'est chiant. Allez, allez, allez. Release, unload, lavez les mains. 3, les cabinets. 4. Hop. T, C, S. Allez, c'est parti. Rocky Road. Rocky Road, c'est quoi? C'est où Rocky Road? C'est R. Du sirop de chocolat. Des cookies. Whip. Rocky Road. Strawberry. Cookie Beats. Whip. 1. Non, non, fais ça en dernier, ça. 4. Praline, praline. P. Oui. Chocolat. Cookie. Crème. 1. Sherbert, sherbert. Le sorbet. S. S. G. J'ai des gummy bears. Des gummy bears. G. Whip. Ok, la 3, on envoie. On envoie la 5. La 6. La 6. Butter, butter. Une glace au beurre. Strawberry. Des noisettes. Whipped cream. 2. Rocky Road. Strawberry. Des fraises. De la crème. 1. 4, 5, 6. Pourquoi j'envoie toutes les key lime pie? Putain, je dois les refaire. Je suis au bout de ma life. Ok. Tab 1. Tab 1. Tab 1. Tab 1. Fait. Ah. Ah. Crust. Apple. Qu'est-ce qu'il faut? Du lettuce stop. 3. Butter. Strawberry syrup. Cookie beats. Whip. 4. O. I. S. Dis-moi que je fais la bonne là. Dis-moi que c'est la bonne. C'est forcément la bonne. Shift 2. On va refaire de la. De... Gram. Banana. De la banane. Banana crust. Avec. De la crème fouettée. 3. Les cabinets. C'est bon? 1, 2, 4, 5, 6, 3, L, C, S. L et L, C, S, lol. Il faut refaire une dernière tarte. Mes yeux. Ok, faut refaire des tartes. Ah, blueberry pie. C'est bon ça, la blueberry pie. B, non? Non, pas du tout. Non, c'est en rouge. Rouge, blueberry, avec la luce stop. 1, 2. On bourre. Les cabinets. 4. Oui. Oh yeah. Oh yes. Glace au beurre. Glace au beurre. Sorbet. Avec sirop de fraise. Des cookies. Et la crème fouettée. 2. T-O. Non, T-C-S. Ok, on a 11 parts de tarte. Ah oui, ça c'est chiant. D-W. On attend pour le R-U-S. FS. Fesse. La glace est caramel au beurre salé. Ah, c'est bon ça. Ah oui, oui. Buttered. Ok. It's ok. Ok. Rocky Road. R. Chocolate syrup. C. Strawberries. S. W. 1, 2, 4. Putain, j'aurais dû attendre avant de faire partir tout ça. R. C. C. W. 6. Vanilla V. Chocolate syrup. S. W. 1. O. I. S. Go. 2. Mint chocolate. M. Sirop de fraise. Avec des sprinkles. En P. Whip. C'est parti. 1. Rocky Road. Chocolate syrup. Les gummies. Non, les gummies, c'est G. C'est là. Avec de la whip. Tab 2. Tab 2, je fais une autre paille. G. G into C. Non. Into. H.
Into W, into 3, 4, 5, 6, 1, 2. Chocolate, strawberry, sprinkles. Non, sprinkles c'est là. Sprinkles c'est P. Whip. 3. Oh yes. J'ai plus. Shift 1. Pour que j'en fasse une gramma. Banana crust B. Avec W. De la crème fouettée. 2. Vanilla. Strawberry syrup. Cookie bits. Et whip. C'est bon. Elles sont prêtes. 2. Oui. Les cabinets. Non, pas les cabinets. Les cabinets, c'est maintenant. Chocolat. Oui. Hop, sirop de fraise. Sprinkle CP avec de la crème fouettée. En fait, ce qui est piégeux, c'est qu'on doit aller forcément en appuyant sur espace sur la page où il y a l'ingrédient qu'on doit mettre. On peut pas se dire je me souviens que W c'est la crème fouettée, donc j'y vais direct. D'autant plus qu'un W pourra servir sur une autre page. J'imagine les dernières soupes. Ça sera beaucoup de plaisir, j'imagine. D, W. R, U, S. Rocky Road. Ah, c'est cool, strawberry syrup. Nuts. Ah, les nuts, c'est là encore avec whip. Encore une journée parfaite. Incroyable. Allez, on va encore débloquer plein de caisses nulles. Un tableau moche. Un tableau dégueulasse de loup. Une radio à l'ancienne. Oh, classe. Un énième comptoir. Du poulet qui déborde de gras. Ok. Qu'est-ce qu'on se fait? Bah c'est rigolo finalement. On va se faire des burgers. Alors attention, le Wendy's a l'air d'être en difficulté 2. Pourquoi il est en 2? On ne sait pas. Il faut faire 2 journées. Essayons le Wendy's. Les burgers. Ah, vous êtes chaud. Ah oui, non, le Wendy, c'est ça. Ah oui, on avait fait. Ah non, c'est juste que j'ai débloqué le deuxième shift. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du pain viande? Vous avez l'air chaud du burger. Ah oui, regardez. Plus on avance, plus on a 40 000 trucs à servir. Et donc, c'est la panique. Eh oui, Wendy's ouvert pour contrer McDo. Ok. On va voir les menus pour refaire ton resto. J'avoue. Designer. Ah oui, mais ça, c'est le restaurant de Cook Serve Delicious, donc. Create. Create wall. Ah, j'ai rien. Mes murs resteront dégueulasses à jamais. À moins que ça soit encore buggé. Oh, regardez. On n'est plus sur... Ah sinon... Ah si, c'est vrai. J'ai une petite moquette de l'angoisse. Ah, je préfère quand même du dur. Ah si, alors j'avais peut-être un là. Non, pas du tout. Des fenêtres. Non. On n'a pas de fenêtres, désolé. J'ai des lampes murales, je le sais. Mais c'est pas du tout mural. Ah si. Ah, je la place. Oh là là. Il est vraiment magnifique, votre resto. Ça, j'ai déjà. Ah, genre, on peut rajouter toujours plus. Immonde. Quoi, c'est... Merde. C'est quoi le Global Lightning? On choisit un peu plusieurs ambiances? C'est pas du tout. Des objets. Ah, j'ai une poubelle, ouais. Mais elle est énorme. C'est énorme. Je peux pas la dézoomer. Oh, c'est dégueulasse. Ah oui, les autres, j'ai pas, ils sont en rouge. Ah, par contre, là, j'ai des très jolis tableaux. Non, mais on l'a déjà mis, ça, le... Regardez ça. Oh, ça donne envie de voyager. Y a pas moyen de dézoomer, peut-être plus tard avec la souris. Et là, parce que là, c'est n'importe quoi. Il peut pas être devant la lumière. Le jeu a fumé du mauvais shit.
D'accord. Ah non, mais il doit y avoir moyen de le... Ah oui, mais la souris marche pas. Putain, je peux pas réduire ce tableau. Ah, vite les patchs, vite les patchs. Ah, par contre, ce petit tableau de fleurs, ça, c'est vraiment cadeau. Ça, c'est pour vous, ça. Et le loup, regardez. Mais il est énorme. Oui, bon, alors voilà. On s'est dit que voir des tours, c'était moche. Donc, on a décidé de mettre un tableau de 1m50 sur 1m50 sur la fenêtre. Ah oui, mais ça... Mais... Ah non, mais les chaises qui sont là, c'est pour faire... C'est juste fictif. Non, mais là, ça n'a aucun sens. Faut enlever les autres chaises. Non, mais... Au secours! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. La boule magique. Mais tout est scandaleux. Edit. Ah, Edit Move. Ah mais non, mais c'est complètement... Ah non. Oh, au secours. Delete. Ah, mais voilà, je delete mon restaurant. C'est bon. Oh putain. Vous inquiétez pas, je gère. Vous inquiétez pas, je gère tout, hein. Ah, sublime. Sublime. C'est dégueulasse. Bon, ça, je sais pas, la lumière globale, ça m'ennuie. Et donc, ouais, on a des booths. Ça, c'est un peu, voilà, c'est notre style de resto, quoi. On s'est dit, c'est moderne, les jeunes vont adorer. Voilà. Superbe. Superbe. Et j'ai investi, voilà, dans... Ces magnifiques fleurs. Ah, elle se met direct. Oh là là, c'est vraiment... Oh. Ah merde, on peut mettre le... Ah oui, le comptoir. Allez, je vais le pimper, mon comptoir en rouge, voilà. Bon, alors, désolé pour les murs, hein. On n'en a pas débloqué, encore. On n'a pas acheté de mur. J'espère que vous apprécierez ce tableau super cool de loup. Sauf que ça n'a aucun sens. Voilà, on a décidé de le mettre derrière... Ah bah voilà, non, d'accord. Voilà, on a décidé de mettre les lumières sur ses yeux. On s'est dit que c'était un peu New Wave. Bon, alors, on y va. Allons faire ces putains de burgers. Il fait pas beau. Comme à Paris. Alors, qu'est-ce qu'on peut préparer? Rien. Si, des hamburgers et des nuggets. Hop. 8 steaks, c'est parti. Et s'ils sont pas coton, ils les auront froid. Des nuggets. Ah, des nuggets, c'est bien. Dunk. Je vais en refaire. Nuggets. On fait des nuggets. B. Oui. Saucisse. Ah, c'est le McMorning. Je pète les plombs. Cheese. Et un biscuit. Oui, tiens, prends ton McMorning. Le biscuit, c'est I. Me demandez pas pourquoi. Chip 4. Hamburger. Prépare des hamburgers. Ah. Meatpad. 1, c'est prêt. 3. Œuf. Le œuf, il est en E. Enfin, quelque chose de logique. B. La 2 est prête. 2. C. Biscuit en I. Les cabinets. Ok, on a 6 steaks à dispo. Bientôt 12. Et 12 nuggets. Les nuggets, c'est prêt. Easy. Easy money, Lisa money. Et Pascal Bacon. Putain, toujours cette bande son endiablée, hein. Saucisse, fromage, croissant. Comment ça? Putain, mais l'Amérique, quoi. Ok, 3, alors. Oh là là! 3 steaks, bacon.
pizza, deux fromages, laitue, tomate, Swiss cheese avec des oignons, des petits mushrooms et voilà. Allez, bon app et casse-toi de mon restaurant, connard. Saucisse, fromage, biscuit. Swiss cheese, il est en S, oui. Regarde la bonne. Le 5. Le croissant, c'est H. Non, c'est R. 6. 6, c'est prêt. 2. 1. Hein ? Hein ? 3. O-I-S. Bon, 5, c'est prêt. 4. 6. 1. Meat, oignon. Non, oignon c'est N. Oh putain, j'ai de la chance. Mushrooms, M. Fried egg. Fried egg en E. Regular bun R, bien sûr. 2, c'est prêt. 4. Oh yes. 3. Meat, bacon. Cheese, putain, j'espère que j'ai acheté de steak. Bretzel bun, bretzel bun, bretzel bun. Z. 1. Ham. Egg. Biscuit. Il n'y en a plus. 5. Bacon. Cheese. Tomate. R. 3, ham, egg, biscuit, 1, 6, putain, nuggets, dunk, non, faut que j'en fasse, 2, B, D, 2, 3, 1, merde, saucisse, bacon, cheese, biscuit, 4, ham, egg, et le croissant dé... Non, ouh, c'est R le croissant dégueulasse, oui, 2, F, S, c'est prêt en 6, 5, saucisse, bacon, hop, et le biscuit. 1, c'est bon. 2, on remet de la glace dans la machine à soda, la fontaine. Hop, piège à cafard. 4, qu'est-ce que je dois refaire? 1, tape 1, tape 1, c'est en train de pourrir. Faut refaire de la viande, faut faire de la viande. Et en 4 aussi, on va faire de la viande. Vite, merde, vite, 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 5. 1, ham. Egg, croissant dégueulasse. 2. 3. Faut que je change en 3 là. J'ai... Mes nuggets sont plus bons. Nuggets. Ok. Quel enfer. Allez, c'est parti. Meat, bacon, laitue. Tomate avec regular bun. 2. Meat, bacon, 2 cheese, tomate, regular bun. 1. On va attendre un peu pour les nuggets. Meat, bacon, cheese, 2x2, tomate, regular bun. 5. Saucisse, bacon, cheese, biscuit. 1. Meat, bacon, 2 cheese, laitue, regular bun. 2. 3. On envoie 4. Meat, bacon, cheese, Swiss cheese, bretzel bun en Z. Ouais, c'est ça. 1. 5, c'est prêt. 2. Meat, regular. 3. Meat, bacon, cheese, Swiss cheese, bretzel bun. 1. Oh merde, le ham, egg, biscuit. Le 6, le 6. C'est quoi le 6? Putain, j'ai fait le 6, putain. J'ai pas pris le 6. Pas de perfect day, je suis deg. 3. Meat, regular bun. 4. Meat, bacon, laitue, tomate, regular bun. 1. 3, c'est bon. 4, 5, 5, c'est bon. 6. Meat, bacon, cheese, cheese, laitue, regular bun. 2. Putain, je suis deg. Trash. J'ai oublié les nuggets. Je m'étais dit que j'avais tout le temps pour les nuggets. Bah non. Ok, saucisse, cheese, whisky. On va refaire des nuggets. B. On va refaire des burgers, tant qu'à faire. Cheese 2. A. Ok, 2. Saucisse, cheese, croissant dégueulasse. 3. Non, un fion. 1. 2 viandes, bacon, cheese, regular bun. 2. Quoi? Oh, ça y est, je fais de la merde. J'ai loupé le jour parfait, je me laisse aller. Il y a du laisser aller. Ah oui, double viande et juste. Juste le bun. Oh là là. 1, 2, 3. Bacon, laitue, Swiss cheese avec un œuf frit. Enfin, un œuf au plat. Et bretzel. Petit burger maison.
Ah, j'avoue, je bois les stocks. Hein. Putain, on n'a pas fait le perfect day. Il y avait eu une mauvaise commande. Médaille d'argent, du coup. Oh mon dieu, magnifique! Magnifique faux bonsaï! Incroyable tableau de chien! Oh le lustre! Ah le mauvais goût! Oh! Unbelievable! Oh oui, oui, le Chinese food. Alors, il n'y aura pas d'imitation de Michel Leeb sur ce stream. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Ah oui, j'ai le droit de faire les deux journées. Alors, la première journée... Oh. Il y aura donc... c'est quoi? Il y a des crevettes croustillantes. Crevettes, non, crevettes, sel, poivre. Crevettes, sel, poivre, qu'est-ce qu'on a? On ne sait pas. Glace au durian, c'est Ramadan. Je sais pas ce qu'on sert. Alors que là, on a l'air d'avoir un petit riz, un pain riz en cantonais, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce resto du schnapps? On fait la journée 1 ou la journée 2? La journée, on va d'abord faire la première journée pour... comment dire? Apprivoiser. Ah oui, ça ressemble à un porc au caramel, c'est vrai. Bon. Oh, les Beatles, waouh! Les Beatles, un sumo, une nature morte, les Friends et des pavés de saumon. Scandaleux. Ok, shift 1. Tab 1. Qu'est-ce qu'on peut préparer en avance? Le riz. Le riz blanc, évidemment, et les egg rolls, d'accord. Bon, bah, le riz. On met de l'eau. On met le riz blanc. Ah, j'ai pas à attendre. Si on assaisonne et on met le truc. Très bien. On va faire les egg rolls. Ça se passe comment? On les bourre. Egg rolls dans spring rolls là. Et dunk. Ok. Ok, qu'est-ce que tu veux? Orange peel. R. Avec shrimp. Des crevettes. On l'envoie. Deux. De la sauce mongolienne. Et du bœuf. Ok, sauce aigre douce avec du porc. 1. Il veut de la sauce au miel. Honey, honey. Y. Avec des crevettes et des green beans qui sont... 2. Sauce au brocoli. Du bœuf. Des poivrons. Des poivrons. 4, c'est quoi? 3. La sauce soja. Oh, du porc. Zucchini, zucchini. Ils sont où les zucchini? Z, oui, non, je suis pas en... Ok. 1, sauce sésame, sauce sésame. Sésame sauce, E. Chicken, K. Ok, je le sens que ça va être compliqué. Sweet sour, c'est W. Bœuf, c'est D. 5. Orange, c'était R. Avec du poulet. 1. Oh là là, le rush hour qui arrive. Brocoli, brocoli, c'est R. Chicken, c'est K. Green bean, c'est E. Ça n'a aucun putain de sens. Spicy sauce, S. Bœuf, B. Avec des carottes, c'est... Ah. Ah oui, comme dans Cookstar Dishes 1. Premier du nom. Sauce au miel, c'est Y. Pourquoi c'est Y? K. Les mushrooms, c'est M. C'est bon. 4. T. S. 1. Honey glaze, c'est Y. Avec du porc. 2. Orange, C. T. R. Avec du chicken. 3. Sésame sauce. Sauce au sésame, c'est E. Avec du poulet. 4. Spicy, c'est S. Avec du poulet. 5. C'est de l'huile avec du tofu. 1. Sauce sésame. E. Porc. P. Snow. Snoopy. S. Ok. 2. Sésame sauce. 3. Soy sauce. C'est O. Chicken. Les peppers. R. Red peppers. C'est R. 4. J'ai loupé des trucs. Sauce sésame, c'est E. Boulet. Snoopy, c'est S. 5. C'est en train de pourrir. Sauce au miel, c'est Y. Avec du tofu, c'est T. Et le zucchini, c'était Z. J'ai loupé le 6. 6. Sauce qui pique. Chicken. 3. Oui, yes. 1. Sauce qui pique. Chicken, c'est l'enfer. Sauce piquante. Des crevettes.
3, de l'huile, du tofu, ôté, 6, sweet, aigre doux, c'est W, poulet, poivron rouge, c'est TR, oui, 1, sauce broc, R, poulet, red peppers, 2, sauce sésame, c'est E, shrimp, c'est H, céleri, on n'a pas fait encore, c'est C, 3, sauce qui pique, quoi, c'est S? Spicy sauce, non, c'est R. Ah, parce que c'est pas pareil selon... Spicy sauce. Et là, c'est S. Ok, ça dépend des étapes. Ah, oh, je suis en train de mourir. Et j'ai sûrement des trucs à préparer, là. Le riz, j'ai plus de riz. Refais du riz, connard. Refais du riz, connard. Water, rice, seasoning, lead, go. 1. Sauce sésame, c'est E. Porc, P. 4. 4, c'est prêt. 4, c'est broc sauce, c'est B. Tofu, c'est T. M. Ok, 2. Sweet sour, c'est W. Tofu. Le 6, les rats. L, C, S. Les L, C, S. Là, le 5. Spicy sauce, maintenant, c'est toujours F, C. Les oignons, c'est en N. C'est en N, ouais, c'est ça. 1. Sauce au miel, c'est Y. Avec porc, P. Et céleri, c'était C. 2. Oh, le 3, j'ai pas le 3. Ah là 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 là. Snoopy, c'est S. Le 3, j'ai loupé. 6, c'est quoi? Oh non! Quoi? Non! Vite! U, se lave les mains. 5, oh yes. 4, sweet sour, c'est W, le porc. Ok, 1, sésame sauce, c'est E. Avec des shrimps, c'est H. C'est ça. 2, sauce épicée, bœuf. 3, bœuf sauce ou bœuf? F, chicken. 4, sauce au miel Y. Avec porc P, brocoli. D. 1. Sauce épicée qui change, voilà, qui change selon ce qu'on fait. C'est dégueulasse. R. 2. Sauce au brocoli, c'est R. Avec du bœuf, c'est B. Céleri, c'est C. 3. 3. Onisauce. Y. K. C. 6. 6. C'est sauce au bœuf, c'est F. Avec du bœuf, B. 5. Sweet sour, c'est W avec du porc. 1. Sauce au sésame avec du poulet. Sauce 2, c'est sauce aigre douce avec du porc. 3, c'est sauce aigre douce avec du bœuf. 4, sauce au bœuf, c'est F avec du poulet. 5, sauce au sésame avec du porc et des carottes. 6, sauce au miel avec du bœuf. Snoopy, c'est S ici. 1, sweet sour, c'est W. Chicken, des green beans, c'est G. Non, c'est E. 2, sauce au sésame, c'est E, porc, c'est P, céleri, c'est C, 4, sweet sour, c'est W, chicken, shroom, 3, j'ai loupé, c'est brûlé, 2, oh merde, D, W, R, U, S, 5, O, I, S, 6, T, S, le piège à cafard, 1, sauce mongole, M, bœuf. Ah, j'ai pas de riz, j'aurais refait du riz, t'as raison. Je crois que c'est fini, c'est la fin de la journée. Orange peel, c'était R. Ça, c'était l'enfer, le chinois. Enfin, ça va, mais une fois qu'on l'a appris par cœur. Ah, et pareil, on n'a pas fait les nos nuggets dégueulasses ou je sais pas quoi. Quel enfer. Soja, c'est O, H et G. Non, c'est pas G. C'est E. Non, c'est E, les green beans. Et c'était bien G, les green peppers, idiot bête. Quelle angoisse. Petite table de restaurant. Magnifique plafonnier. Oh là là, oui, nous pouvons séparer, évidemment. Nous pouvons séparer nos tables avec ces petits paravents. Ah oui, ça veut dire qu'il me reste juste un menu à faire, une mission. On va retourner dans notre resto dégueulasse, parce qu'on l'a quand même pimpé, nom de Dieu. Ah, je peux rajouter un plat. Alors, est-ce qu'on fait les céréales ou ce petit poulet gras dégueulasse qu'on a débloqué? J'ai envie de dire, ça serait dommage qu'il y ait quelque chose de sain sur notre menu.
Voilà, restons là-dessus, c'est très bien. C'est très très bien, je suis assez fier hein, de ce qu'on propose. Allez, on y va. Oh, regardez ce resto incroyable avec ses ampoules devant les yeux du loup. Car, voulu dire, le décorateur d'intérieur. Allez, aujourd'hui, il faudrait faire un combo 7. Un jour parfait. Et on débloquera quelque chose encore. Voire 10 commandes délicieuses. Allez, donc, qu'est-ce qu'on peut proposer d'avance? Ah oui, comme d'hab. Alors, pretzel. Classique. Go. Table 2. Nuggets. Hop. Et on envoie 3. Les macaronis. C'est juste macaronis et on envoie. Et les nuggets, je sais que ça va être le bordel. Au cas où, j'envoie. Alors le poulet. Du poulet et de l'huile. Jusque là, tout va bien. Les nuggets, c'est pour bientôt, madame. J'ai oublié le tableau chien, vous inquiétez pas. Un steak. Ok. Qu'est-ce qu'on fait après? Bah chicken gravy, ok, simple. Dégueulasse. Mais de l'huile. Ah les SMS putain. Flush sanitize. 2. Steak et gravy. Là au moins c'est simple. Ah oui, si elle clignote comme ça, c'est qu'elle est délicieuse. Allez, prends tes nuggets. Délicieux, hein. Vraiment incroyable. Ah, c'est calme, hein. Il est calme notre restaurant. Ça buzz pas trop, hein. Allez, macaroni, ça part bien, hein. Il va falloir en refaire bientôt. Après, c'est le rush hour dans une heure. Steak et gravy, normal, oui. Okay. On se souvient. 3. Trash, sanitize. Ok, on refait les macaronis. 2. Steak et gravy. On met de la glace dans la machine à soda. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Medium kick. Power kick. Tu vas pas prendre mon argent, enculé. High punch. Et power punch. Paf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. D. W. Release. Unload. Sanitize. 2, steak, huile, 3, 1, ok, on a plus de bretzel, putain, bretzel, German bretzel, ok, si tu veux, shift 2, bretzel, German bretzel encore, d'accord, shift 3, mac and cheese, allez, 3 c'est prêt, 1, oh yes, 4, butter steak, 5, butter steak, 2, faudrait que ça arrive, hein. Steak et gravy, c'est bon, ils sont arrivés, 6, 1, butter steak, 3, chicken oil, 2, steak et beurre, 6, steak et huile. Ah, il commence à pas être bon les nuggets. Il va falloir enchaîner. Hein. Ok, 4, steak, oignon, 3, hop, boulet gravy, 5, steak medium gravy, 6, steak gravy, 1, steak gravy, 2, steak gravy, easy. Ah putain, c'est enfer encore. Allez. 6 les rats. LCS. 1. Qu'est-ce qu'il faudra faire des nuggets? Tape 3, nuggets. 4, on enlève. 4, on enlève. Et on va faire des Mac. 2. Merde. Ah oui, d'accord, parce que les autres sont en train de se faire. On va faire cela manuellement. 4. Hop, le steak, chicken gravy, le cabinet. Is ok. J'avoue, ils ont de bonnes tronches, hein, les mecs. 5. Ah oui, trash, mash. Et on level up, hein. C'est ça qui est beau, steak et huile. 6. Hop, le piège, le piège à cafard. Ok, va falloir la préparer le rush hour intelligemment, on va dire. Bretzel, c'est chaud. Rush hour. Putain, c'est soon. Oh là là, j'aurais dû.
J'aurais dû niquer les bretzels pour les refaire tout de suite. Shift 4. Bretzel, go. Classique, si tu veux. Steak. Gravy. Ok, 2, 3, 4, 5. 6, T. T, C, S. Ok, 1. Chicken oil. 4. Chicken oil. 2. 3. 5, 6. Chicken oil. On fait les bretzels en tab 1. Bretzel German. Ok. Go. 2. Steak. 3, c'est bon. 1. Chicken gravy. 4. Chicken gravy. Et parce que la bouffe également va level up comme avant. Là, pour l'instant, c'est ça. Mais ensuite, elle devient infernale. Donc en fait, ça peut aller très très loin dans le mind game. En plus de tous les nouveaux plats. 4. 6. Ok. Steak grill. 2. Steak oignon. 5, c'est bon. 6. On envoie à la friture. 2. On met la glace. Tab 2, on va refaire des macaronis. Tab 4, on va refaire des bretzels. Ok, steak gravy. 4. Chicken gravy. 3. Steak gravy. 2. 1. 8. 6. Steak gravy. 5. Le pire, c'est s'il demanderait la cuisson. Là, le jeu serait absolument invisible. Hein. Spoiler. Trop tard, les macaronis, c'est jamais trop tard. Regardez, il y en a un qui est parti. Ah, c'est peut-être les sides qui font que la commande est délicieuse. Parce que si le mec... Toujours plus de gâchis. C'est pas grave, on mangera les nuggets. Allez, prends ton steak et... Va chier. Ah voilà, Tenkei qui confirme. Ouais, c'est les sides qui font les délicieuses. Ok. Il a enfin compris, oui. Incroyable, on parle de mes capacités à faire de la nourriture grasse comme personne dans toute la tour Terragon et mon restaurant est devenu plus populaire. Ah, de l'art abstrait. Un comptoir dégueulasse. Ainsi qu'un cube. Magnifique, une plaque d'immatriculation du Colorado. Petit tableau de voiture dans la collection des tableaux de voiture. Encore une lumière murale. Un lustre complètement. Toutes les caisses, nul. Un tableau anxiogène fait par Kevin Dezan. Du Texas. Magnifique forêt de bambou. Alors qu'on s'éclate en régie. Oh, oh, oh! Putain, j'arrête pas de looter. Oh oui, la carte. Le roi de trèfle. Alors que le chou-fleur braisé fait son entrée. Quelque chose de sain? Ça me plaît guère. J'espère qu'on y met du gravy, de la mayo. Et un petit peu de panure. Alors... incroyable. On a trois trucs à faire au restaurant de saucisses. Putain, on a débloqué le truc. Oh, regardez, il y a de la bouffe bio. Oh putain, il y a le japonais. J'ai hâte de faire des okonomiyaki. Parce qu'attention, il y a le japonais et il y a le sushi. Ça veut dire qu'on aura le japonais chaud et le japonais de poisson cru. J'ai pas fait Itiz. On a pas fait Wendy's. Ah non, on a pas fait Wendy's. Allez, on fait une petite soirée à Wendy's. Puis je pense qu'on peut s'arrêter là. Parce qu'après tout, après, on va le poncer.
Ah là là, mais donc on a trois standards, enfin trois possibilités différentes. Donc là, c'est glace, salade César, et c'est quoi? C'est du fish and chips. Avec sur le côté, frites, salade, mac and cheese et soda. Et ensuite, là, c'est l'angoisse. Le pain, viande, on ne sait pas. Une soupe. Des lasagnes. C'est bon, il y a les lasagnes. Alors, est-ce que c'est encore PSCR? Oh putain, il est classe, le Wendy's. Alors, qu'est-ce qu'on peut préparer? Les lasagnes. PS. Ah merde! PS. N. C. R. PSCR. PSC. Soupe. Alors, beef broth. Avec du céleri. Des beans. De l'huile. Du poulet et des patates. Oui, ah, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, go. Ah putain, ça m'angoisse ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, là j'ai l'impression d'en avoir fait un trop. Je sais pas en fait. Mais genre, le mec il va s'en rendre compte. Ah là, t'as mis un coup de marteau de trop là. Ça me plaît pas trop ce que tu fais dans ton resto, mec ton. Tape 3, lasagne. PS. NCR. PSCR. PSC. Parce qu'attention, il y aura plusieurs types de lasagnes, évidemment, par la suite. Mais on refait une soupe de l'angoisse avant que ça soit. Rush out. Oh, il y a les sides aussi. Salade. Laitue. Carotte. Tomate. Crouton. Concombre. Ah, bah, c'était total en fait. Merde, oui. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Et season cette fois-ci. Pourquoi ça m'envoie tout ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, mais c'est l'enfer. Breading, oui. C'est bon. Season. Les lasagnes sont prêtes. 6. TS. 7, c'est quoi? Passion tea. Thé de la passion. Et c'est tout? Ah, brou. Ah, c'est bon, j'en vois en fait, j'en ai rien à foutre. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breading. Petite lasagne. PS. N, hein. C, R, PS, C, R, PS, C. Bon, j'espère que je l'ai bien fait. 7. Non, mais 7, c'est long. Bon, bah 7. D, W. Ok, 6, 4, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, putain je fais n'importe quoi, season, 5, Tropic City, T, B, ok c'est bon, 3, 6, 7, 2, soupe, beef broth, céleri, carottes, green beans, les shrooms, patates. Oh là là, 2 T 3 L C S bien sûr, 4 breading, oui, 6. Je crois que j'ai bredé deux fois. Ça, si je me fais baiser, je suis vénère. TB 1, 2. Qu'est-ce qu'il faut refaire? Des salades, on va faire des salades. Et tout, c'est bien ça. C'est bien avec tout. C'est simple. Et plus de lasagne en 3. What the fuck, what the fuck? Vite. Vite avant le rush hour. Vite avant le rush hour, les tâches ménagères. Surtout celle-ci, putain.
Ok. TCS. 1. FS. Tape 3. Tape 3, qu'est-ce qu'on se fait? Une soupe de merde. Brocoli R. Avec du céleri, des green beans et du brocoli en B. Ok. 1. PSCR. PSCR. Ah non, c'était ricotta. Si, c'est bon. PSC. 1. Tape 1. Lasagne à nouveau. PSCR, PSCR, PSC. 4, on enlève. On va faire une salade en 4. Salade, LATRU. Ok, 1. TCS. Tiens, non, TM. S. 4. 6, 7, 3. Ice tea. Passion tea. P, B. 1. C, B. 2. C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, S. Petite chiptune, soupe, beet broche, céleri, carotte, lentilles. Voilà, 5, 1, ready, 3, 4, Texas Tea, c'est le X, B, oh là là là, TCS, 6, TM, S, 7, TS, 2, DW, RUS, 1, 3, 4, ouh, 19 délicieux. J'espère qu'il fallait pas faire 20. Mais Raida. Oh là là, plus qu'une. Un petit zèbre. Magnifique. Ah, enfin un mur. Deux murs. Petit mur SM. Un vinyle. On peut vraiment faire des restos de hipsters. Ah, et je viens de gagner une 7ème caisse. Je sais pas ce que j'en pense. Petite glace. C'était sympa les petites glaces. Qu'est-ce qu'on nous propose là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, les sandwichs à la glace quoi. Comment ils appellent ça? On peut voir déjà, on peut voir un peu ce qu'on nous propose pour la suite. Médaille d'or sur la première. Allez, on se fait la journée de déglace. La thune. Mais la thune, je sais pas ce qu'on en fait. Vous savez? Food catalogue. Ah, c'est là-dedans. Bah oui, je suis con comme avant. Mais vu que j'en débloquais, j'étais content. Non mais je crois qu'elle se débloque. Vous pensez que j'achète? Ah si, bien sûr. Oh oui, oh là là, oh, j'ai faim, une calzone. Pour 1300 balles, une calzone. Ah mais ça c'est bloqué par contre, locked. Les sashimi, les kebabs, le soufflé, le risotto, la quiche, des moules. Putain, j'ai faim. J'ai la dalle. Les huîtres. Magnifique. Le carpaccio. Ils se mouent les trucs japonais. Des saucisses. Et sauerkraut. Omar Sharif. Ils se mouent les okonomiyaki. Ah, c'était quoi ça? Oui, c'était juste une part de tarte. La pizza. Salade tomate oignon. C'est quoi cet enfer? Ah, des ribs. Paf, tiens, bouffe ton porc. Du ramen. Oh ouais, putain. Oh, le hipster. Comment on fait du ramen? Je suis sûr que c'est l'enfer. À moins qu'on prépare le bouillon avant.
Kakone. Ah oui, d'abord on met le ramen. Puis on met l'huile. Ah d'accord, il y a un ordre. Donc c'est bon ? Ici, donc je mets le ramen, je mets l'huile et je mets le porc. Mais est-ce qu'il y a des niveaux en fait de ramen ? Là, ramen. Ah bah non, oui, là, le chachou. Le porc. Ramen, huile. Ça on le sait, donc le chachou. Et ça. Ensuite. Kakuni avec un peu de beurre, de salade, du maïs. On rajoute le kamaboko, le togarashi. Ah, quel enfer! L'œuf mollet, la moule bien sûr et le togarashi. Ah oui, mais ça cuit longtemps. Donc du fait que ça cuit longtemps, on peut s'en sortir encore, vite fait. Maïs avec l'œuf mollet, la moule. Merde, j'ai mis de la merde, j'ai mis... Tiens, mais va chier. Bon, le ramen, on va attendre un peu. Quesadillas. Les pancakes. Ah, c'était quoi, ça? Ah oui, le meatloaf. Le pain viande. Le grilled chicken sandwich. Et non, ce n'est pas un burger. Ah, le riz frit japonais. Putain, je suis sûr que c'est de la bite. On peut practice. Hein. Ah, d'accord, déjà, il faut prep. Il faut prep le riz. Alors, on met du riz. Ensuite, il nous suffit de... Ah, faut tout mettre, en fait. C'est ça ? Avec de l'huile et du porc, c'est facile. On fait un riz au porc. Voilà, regardez ça comme ils en veulent tous. Bah attendez, on va faire plusieurs trêpes. Et là, c'est... On fait la même, mais... version... version crevette. Ah oui, mais du coup, voilà, on enchaîne. Eh, c'est pas mal, ça. Parce que à chaque fois, on met tout, j'ai l'impression, au début, donc RSAPE... Quoi ? Ah, la totale, le gourmet. Voilà, vous aimez ? Vous aimez la viande ? Vous aimez... C'est la totale, c'est comme le biryani complet chez les Indiens. Ah, ça c'est un veggie. Donc démerdez-vous. Ils sont pas chiants. Ils sont pas chiants, les véganes. Alors, OPHKB. Ah, c'est pas mal ça, hein. RSAP avec oil et chicken. Pourquoi se faire chier, quoi ? Ok, c'est goldé, hein. Le riz frit japonais, pas mal. Moi, j'achète. Ça n'a rien à voir. Pourquoi on achète ça ? Je vous rappelle quand même que pour l'instant, on sert du gras et du gras. Et encore du gras. Et là, tout d'un coup, le riz frit japonais. On a pu tester chez Wendy's. Évidemment, c'est sublime. Burger du matin, le McMorning, en mettant un croissant sur la viande. Les muffins ? Mais comment ça ? On les fait nous-mêmes ? Il faut prep les muffins. Alors, comment on prep les muffins ? Paper liner, N. Cranberry, C. Ah oui, d'accord. Foutage de gueule. Mais ça, c'est un sides, alors. Eh merde, j'ai pas regardé s'il y avait une prépa après. Ensuite, on peut mettre ici. Hein. Je peux changer, voilà. Voir que les sides. Donc, évidemment, notre riz frit japonais que tout le monde adore est un side. Oui, les onigiri. Et les drinks. Bah, on est censé avoir tout ça. Ah non. Ah, on peut acheter le café, le iced tea qu'on a vu. Ah ouais. On va se faire un petit bar à jus. Alors, comment ça se passe?
Tu veux... qu'est-ce que vous voulez? Quoi, il faut d'abord... Ah, il faut d'abord tout nettoyer. Donc c'est LMR, left, medium, right. Donc on nique tout. Et ensuite, elle veut du cranberry, de l'orange et du jus. Il y a un ordre, on s'en fout. Non, c'est bon. Donc à chaque fois, LMR. Et ensuite, bah, s'ils veulent la totale, c'est AOC. C'est un AOC. LMR, AOC. Putain. Ah mais d'accord, en fait, on change juste les jus. Donc c'est génial. Si on n'a pas, ils vaudront tout. On mettra toujours la OC parce que tout le monde s'en branle en fait. Merde. Putain, vas-y, moi j'achète le juice bar quoi. Quoi qu'une bonne bière. Est-ce que la bière c'est comme avant? Putain. Est-ce que c'est comme avant là? On la tire comme ça? Ah non, c'est pas pareil. Ah là, elle est loupée. Là, elle est loupée, ok. Parce que j'essaie de la speedrunner. Ah oui, attention, la bière. Il faut pas que ça soit moi, ni trop, ni pas assez. Donc là, c'est bon. Speedrun de bière. Pas le temps, pas le temps de niaiser. Ah, moi j'aime bien la bière. Ah, faut pas réfléchir. On la remplit, on arrête, on lui balance à la gueule. Tiens, fais pas chier. Ah merde, là trop, évidemment. Voilà, c'est ce qu'on discute. Mais ça peut te défoncer un perfect day très facilement. Oui, pour l'instant, on va rester sur le jus. Donc, dans les plats. On le ramène, ça. Oh, les ribs. Ah, il faut préparer. Tiens, on prépare des ribs. Les ribs. Avec de la sauce. Et encore plus de... Voilà, de poivre. Je t'en fais des ribs. Des ribs avec de la sauce. Ouais, quelle est la suite par contre? Quelle est la suite du ribs? Tiens, prends tes ribs avec re de la sauce et re du poivre. Tout simplement. RAS. C'est RAS. Ça sera toujours RAS? Impression. Ah oui, mais d'accord, mais faut en refaire. Prends des ribs. Ah d'accord, il faut en faire plein. C'est toujours... C'est chiant parce qu'il faut en prep à l'infini. Des pinces de crabe. La crème brûlée. Je suis sûr que la crème brûlée, c'est chiant. Du tofu. Oh là là. Oui. Oh, c'est trop bon, ça. C'est comme les mambao. C'est des brioches. Ah oui, on avait vu ça, on avait fait avec Adrien. Ensuite, on rajoute du bœuf. Et paf, on emballe. Trop bon ça. Trop trop bon. Ah non, là c'est les raviolis vapeur, ouais. Ils sont petits. Allez, on envoie direct. En tout cas, on voit que la clientèle est toujours aussi prestigieuse. Très bien. Tibétain. Les ouvriers. Oh, des maquis. Ça va être l'enfer. Des samosas. Oh, il y a tant de choses. Je sais plus où donner. Je tourne presque de l'œil. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah oui, sandwich de pulled pork. Alors, ça, c'est bon, le pulled pork. Ok. C'est infini. C'est l'infini et l'au-delà. Quoi? Pig's blood cake? Ah, c'est vraiment ça. C'est taïwanais. Donc, Pig's Blood Cake, on peut évidemment traduire directement en gâteau de sang de cochon.
Et bah, très bien. Allo, Konyomaki, il était à gauche. Je l'ai loupé, comme un innocent. Attendez, à côté du gâteau de sang de cochon. Ah oui. Ah putain, c'est tellement beau, les omelettes japonaises. Mais c'est super tendu à faire, ça. Alors, je mets mon œuf, je mets du shoumein, le pancake, ainsi que ça, ma crevette. Et oui, c'est tout sur plaque chauffante. Derrière, paf, je rajoute mes choux de mon cul, mon tenkatsu, petit bacon pour le dessus. Et hop, on attend que ça cuise, et ensuite on demande la sauce à Jackie. Donc ça, ça va jamais changer. Voilà, c'est juste la fin qui change. Là, c'est au poulpe. Et ça, ça a l'air d'être bon à chaque fois, STB. La cuisson, ça cuit vite quand même. On met le konyomaki, on met la sauce. On met de la hot sauce par-dessus. Plus de la mayo, plus de la onari, plus des... J'en peux plus. Supprimer la version précédente de Windows. L'espace de stockage est faible. Tibétain. Bon. Voilà, je pense que c'est une bonne découverte du jeu pour YouTube. Et on continuera plus tard. Merci beaucoup. YouTube, n'hésite pas à mettre un post-plan. Au revoir.